Nous saluons fraternellement chacune et chacun d'entre vous. Et aussi toutes celles et tous ceux qui écoutent à la radio la voix d'espérance. Et toutes celles et tous ceux qui regardent et écoutent sur Hope Polynésie. Nous saluons aussi tous nos invités aujourd'hui. Nous saluons aussi Camille Honro et toute son équipe. Donc, qui est venu filmer ce qui se passe dans notre église. Et elle s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans l'église adventiste du septième jour. Donc elle est là pour un mois avec son équipe. Donc elle voudrait filmer tout ce qui touche à l'église adventiste. C'est-à-dire toutes les cérémonies, comme le service de communion, et aujourd'hui donc le baptême. Chers amis, nous sommes très très heureux d'être encore là avec vous. Et parmi vous. Et nous sommes dans la joie parce que certaines personnes ont pris la décision de donner leur vie à Christ aujourd'hui. Et qu'ils sachent que la décision qu'ils ont prise, donc ils ont pris la décision pour montrer à tout l'univers que Dieu est un Dieu d'amour et que c'est aussi un Dieu juste. Chers amis, donc samedi dernier, nous avons vu les signes des temps. Donc ils se sont passés et qui se déroulent encore aujourd'hui sous nos yeux. Donc des signes dans la nature. Des signes dans notre société. Et que nous rencontrons chaque jour. Et tous ces signes sont là pour nous confirmer que celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et donc le sujet de notre étude aujourd'hui, c'est une des plus belles promesses que la Bible donc, contient. Et c'est la bienheureuse espérance de l'Église. C'est-à-dire le retour du Fils bien-aimé de Dieu. Nous avons tout au long de cette étude les témoignages des personnes dans la Bible qui ont cru en ce jour et que Dieu aussi a certaines personnes à montrer en vision. Et pour cela, nous allons donc demander à Dieu de nous aider dans cette étude. Donc nous prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole que nous allons ouvrir maintenant pour la parcourir et voir des personnes qui ont témoigné
de ce retour. Les personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament, mais aussi des personnes dans le Nouveau Testament. Tout cela pour nous montrer que ton Fils bien-aimé revient très bientôt. Mais avant cette étude, nous voulons ton Saint-Esprit. Parce que nous avons absolument besoin de lui pour nous conduire dans cette étude afin de comprendre ce que tu veux nous enseigner au travers de cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc nous allons lire une des plus belles promesses que Jésus-Christ a laissées à ses disciples. Et cette promesse se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 14 à partir du verset 1. Et il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et au verset 3, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait bientôt les quitter, cela a beaucoup attristé les disciples. Mais Jésus va leur faire cette promesse qu'un jour il reviendra. Il reviendra pour chercher toutes celles et tous ceux qui auront attendu cette bienheureuse espérance. Et nous allons encore relire cette promesse. Et nous allons lire ensemble. Allez, 1, 2, 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, la parole de Dieu nous confirme ici quelque chose que nous devons toujours nous rappeler. Et qui dit ceci, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc nous avons vu dans l'étude de la semaine dernière, plutôt l'étude de cette semaine, de lundi soir, que la solution de Dieu, c'est exactement ce qui s'est réalisé pendant la première venue de Christ. Donc tel que l'ont annoncé les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous pouvons comprendre ici pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas douté un seul instant de la promesse de leur maître. Et donc la deuxième venue de Jésus est aussi certaine
que ne l'a été la première venue. Mais papou te dit il te fait matamour à moi au yetu. Et le message de la Bible peut se résumer en trois points. Et te pour a au te pipiria et tout le yaman on. Donc le premier c'est Christ va venir. Te matamour et harmai au yetu. Et c'est le message de l'Ancien Testament. Il te prou et il te hier tu te faut atheto. Et Christ est venu. Et wa harmai au yetu metia. C'est le témoignage de tout. Le Nouveau Testament. Te prou fa fa ye o te ite hie ro te fof a ampi. Christ reviendra. Et uf a homai o ye tu. C'est la bienheureuse espérance de toute la Bible. Te ye te ti ait a o a wa iro te ite ta at war a o te prou a te atu. De la Genèse à l'Apocalypse. Mais te puta te ni te ite a tu a puta rupo. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, au verset 24. Iro te ite evaneria a ruta ite pene ho a rue mahitu irava piti a rue mamha. Jésus dit lui-même à propos de son retour. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, chers amis, les gens de l'époque où vivait Jésus, où Jésus a vécu, ils ont compris que lorsque Jésus est venu pour la première fois, que Jésus donc allait les libérer des Romains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien compris quelle était la mission de Jésus pendant sa première venue. Et c'est pour cela qu'ils ont rejeté le Christ. Maintenant, nous allons voir quelques témoignages de quelques personnes qui ont cru justement en ce jour, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et nous allons voir dans ce verset de Jude 14, la première personne qui a cru en ce jour, c'est-à-dire qui a cru à cette bienheureuse espérance. Et Jude écrit donc au verset 14, c'est aussi pour eux Kenok. Voilà, le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et le verset 15, donc il va venir aussi, donc il va revenir pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété. Donc ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui des pécheurs impies. Donc non seulement Enoch a eu donc la vision de la seconde venue du Christ, mais il a vu aussi de ce qui allait se passer en ce jour. Et ce trimestre, donc, nous étudions le livre de Job. Et ce matin encore, nous avons vu dans quel état était Job. Et dans le chapitre 19, c'est-à-dire même dans ses épreuves, même dans ses souffrances, dans le verset 25 et le verset 27, Job aussi va avoir cette bienheureuse espérance. Du retour de son Seigneur Jésus-Christ. Et malgré sa souffrance, il va s'écrier en disant, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je le verrai et il me sera favorable. Et mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Et mon âme languit d'attente au-dedans de moi.
Et Job avait hâte de ce jour-là. Et malgré sa souffrance, il va continuer à croire à cette bienheureuse espérance. Donc nous venons de voir le témoignage d'Enoch. Donc il a cru en ce jour. C'est-à-dire, Enoch croyait que Jésus allait revenir un jour. Nous venons de voir donc le témoignage de Job. Malgré ses souffrances, il va continuer à croire à cette bienheureuse espérance. Que son sauveur allait revenir pour arrêter la souffrance. Et vous avez le prophète Ésaïe, au chapitre 25 au verset 8. Ésaïe va aller quand même plus loin en disant que lorsque Jésus va revenir, il va anéantir la mort pour toujours. Et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Et il va faire disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Verset 9. En ce jour, l'on dira: voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Alors soyons dans l'allégresse. C'est-à-dire soyons dans la joie. Et réjouissons-nous de son salut. Donc pour sa part, Ésaïe a observé la vision. Ce jour-là. Et non seulement ce jour-là, donc, mais aussi la réaction de ceux qui attendront impatiemment leur sauveur. Alors qu'il reviendra un jour les chercher. Le prophète Daniel, chapitre 12, dans la première partie, dans la deuxième partie du verset 1 et le verset 2, Daniel, dans son livre, va écrire: en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est-à-dire pour la mort éternelle. Ce sont ces personnages qui ont vécu donc pendant l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. Et on a beaucoup d'autres qui ont témoigné de cela. Et aujourd'hui, pour aujourd'hui, nous avons pris juste quelques personnes. Et nous allons maintenant aller dans le Nouveau Testament. Et vous avez l'apôtre Pierre lui-même, un de ceux qui a entendu la promesse de Jésus que nous avons lu au début. Et lui, il va écrire dans sa deuxième lettre en disant: mais nous attendons selon sa promesse. C'est-à-dire cette promesse que Jésus a dit à ses disciples qu'il reviendra un jour. Il va continuer à dire en disant: de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Donc Pierre, qui a été un disciple de Jésus, qui a entendu lui-même Jésus leur faire cette promesse, qu'un jour il reviendra. Et nous avons l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Et lui, il va dire: de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Donc il est venu pour la première fois pour porter les péchés de plusieurs.
mais sans jamais commettre de péché. Et vous pouvez lire cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Et il continue en disant, « Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, Paul écrit ici que Jésus est venu une première fois pour porter les péchés du monde, mais sans jamais commettre de péché. Et il viendra une deuxième fois pour apporter le salut, c'est-à-dire la vie éternelle à tous ceux qui l'attendent. Vous avez le témoignage de deux anges dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11. Lorsque les disciples étaient sur le mont des Oliviers et que Jésus allait monter au ciel, et pendant que Jésus était enlevé au ciel, les deux anges qui étaient là vont dire aux personnes qui étaient là, qui étaient présentes, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le témoignage des anges. Jésus lui-même, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire qui de mieux que Christ lui-même pour témoigner de son retour. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 7, et voici, je viens bientôt. Et heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est-à-dire non seulement du livre de l'Apocalypse, mais de toute la parole de Dieu. Et au verset 12, toujours dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, pour la deuxième fois, va dire, voici, je viens bientôt. Et il va ajouter une autre chose. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc la deuxième fois, voici, je viens bientôt. Troisième fois, verset 20. Il va encore aller plus loin. Et il va dire, celui qui atteste ces choses dit. C'est-à-dire qui va confirmer ces choses. C'est-à-dire ce qu'il vient de dire avant. Et il va dire pour la troisième fois. Oui, je viens bientôt. Et nous disons amen. Viens, Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été avertis de cela. Trois fois. Apocalypse 22. Verset 7. Verset 12. Verset 20. Et il va piti.
Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16, au verset 22, et l'apôtre Paul va dire aux chrétiens qui habitaient à Corinthe que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et il va prononcer un mot. Et pour la seule et unique fois citée dans les Écritures, mais qui a une signification profonde pour les chrétiens qui vivaient à l'époque de Paul. Parce qu'elles aussi, eux aussi, non, qui croyaient fermement que Jésus allait revenir à leur époque. Vous pouvez lire dans d'autres épîtres de Paul. Comme par exemple dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et c'est cela qui va nous montrer que les gens, les chrétiens qui vivaient à l'époque de Paul, croyaient fermement que Jésus allait revenir à leur époque. Et donc, c'était cela le sujet de leur discours presque chaque jour. Et c'est pour cela qu'ils utilisaient ce mot-là, Maranatha. Lorsqu'ils se saluaient. C'est-à-dire chaque jour lorsqu'ils se rencontraient. Il disait bonjour par ce mot-là, Maranatha. Et tout cela pour leur rappeler que leur Seigneur vient bientôt. Et chers amis, pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, nous qui croyons fermement que Jésus viens bientôt. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons nous saluer chaque jour en nous disant Maranatha. Saluez-vous. Maranatha. Maranatha. Et nous attendions ce jour pour dire cela. Certaines personnes, lorsqu'on se saluait chaque soir, me disaient à l'oreille, Maranatha, mon frère. Mais nous attendions ce jour pour dire devant tout le monde que nous devons utiliser ce mot pour nous saluer tous les jours. Maranatha. Pour nous rappeler que Jésus vient bientôt. Et chers amis, il n'y a plus de doute. Lorsqu'il a dit, donc lorsqu'il a prononcé cette promesse à ses disciples, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, c'est-à-dire, je reviendrai. Et Jésus reviendra. C'est une certitude absolue. Le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient et y ont cru. Je reviendrai, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il reviendra. C'est ce que les deux anges ont confirmé aux gens qui étaient sur le mont des Oliviers. Il apparaîtra une seconde fois. C'est ce que les apôtres ont annoncé dans le Nouveau Testament. Et l'Église a répété après eux. Maranatha. Maranatha.
Oh notre Seigneur, viens. Oyama un totato fatua hermai. Amen. Amen.